Alors les amis, on vient de finir la chambre d'Oliver. Il est chez ma mère, donc il n'a rien vu encore. Donc je vais vous montrer de quoi ça a l'air. On a repeinturé les murs. Donc c'est comme un blanc-gris un peu. Donc quand on rentre, regardez, ça a l'air à ça. J'ai jeté des photos. On a installé ça. C'est ouvert, donc on entend tout genre de bruit de l'extérieur. Mais en gros, ça a l'air à ça, sa chambre. Ça a l'air à ça. Donc, je commence par ici. Donc, le morceau le plus grand, on va dire, c'est ça ici. Donc, ça englobe son lit qui est en haut. Ça, c'est bureau et espace de rangement et garde-robe, les amis. Et oui, il y en a un garde-robe ici, vous voyez. Garde-robe, il y en a des étagères pour rangement. Le lit tout en haut. Puis, Oliver adore ça vraiment. Ici, j'ai ajouté un petit truc de rangement pour lui. Donc ici dans le bureau, je vais vous montrer. Donc il y en a, on a installé des petites lumières en haut. Regardez quand j'arrête la lumière parce qu'aujourd'hui il pleut, donc c'est tout gris. C'est vraiment cozy, vraiment illuminé en même temps. Ici aussi on a ajouté des lumières, je vais vous montrer après. Mais regardez, oh my God, c'est beau, c'est très beau, j'adore ça. Donc c'est ça. Donc ici, c'est toute, ben la majorité des choses sont IKEA, je vous dirais. Puis on a fait des DIY et tout. Donc ça, c'est IKEA, le meuble. La chaise aussi, on l'a acheté là. On a choisi des couleurs comme que Oliver aime beaucoup, comme vert, bleu. Les murs ici, qu'on a peint aussi. Il adore ça, c'est comme une turquoise. Bref, je commence par ici. Donc ici, il y en a des rangements ici pour les choses à lui. Ici, j'ai mis mon ancienne. En fait, lui, je l'avais déjà, mon ancienne grille dans mon bureau, qui était dans mon bureau avant. Donc là, je lui ai mis ça là. Une petite lampe qu'il peut mettre comme il veut vraiment. Il peut la mettre vers le haut, vers le bas. Ça allume vraiment comme ça, illumine vraiment bien. Il peut la bouger honnêtement comme il veut. Donc voilà, c'est pratique pour faire ses devoirs, ses travaux, pour faire des Lego s'il veut, je sais pas, pour jouer. Donc c'est pratique ici. On a une petite chose comme ça de rangement de chez IKEA. Encore une fois, une horloge avec l'heure, vous voyez. Vous voyez l'heure. Ici, on a ajouté une longue comme ça. On a dit, puis deux petits comme ça. On va ajouter des crayons, puis des stylos ici. Ici, il peut accrocher des choses. On a ajouté deux crochets. Il peut accrocher comme des lunettes ou des montres ou peu importe. Plusieurs choses. Donc ici, c'est vraiment décoration, si je peux dire ça comme ça. J'ai acheté cela chez IKEA aussi. Donc, il peut remettre des livres, des travaux à remettre, des choses qu'il fait à l'école aussi, des photos. Éventuellement, il faut les changer car ça, c'est Oliver quand il y avait 2 mois. Regardez comme il est cute. Ah, son trophée de hockey. Donc, ça a l'air à ça. Tout en haut ici, c'est son lit. Donc, là, on vient d'échanger les draps. C'est tout propre, tout cool pour lui. Donc, ça a l'air à ça. Ici, sur ce mur-là, la porte est juste là. Ça, c'est les choses pour accrocher de tous les jours. Ça, c'est son mur ici à côté. Donc, on a mis des photos donc, de lui. Donc, ça, c'est Oliver l'autre hiver quand il jouait à hockey. Ça, c'est Oliver l'été. Je lui ai pris une photo en train de jouer à basketball. Puis, ça, c'est Oliver l'année passée où, oui, en 2022, quand il jouait au soccer. Donc, il est très sportif, il aime ça, le sport. Donc, on s'est vraiment inspiré des sports pour faire toute la déco. Noir, blanc, des couleurs pop, c'est ça qu'on voulait. Ici, j'ai eu l'idée de faire une lettre O, comme Oliver, avec des rondelles de hockey en bois. Je ne sais pas si vous pouvez voir, c'est des vieilles, comme des vieilles rondelles en bois, mais je trouve ça vraiment mignon. C'est comme un petit DIY simple à faire, mais trop cute. Puis on a ajouté comme des lumières tout alentour. Donc c'est tout. Mais je trouve le résultat vraiment, vraiment le fun. J'adore ça. J'ai ajouté une petite plante, bien sûr, car dans chaque chambre, j'en ai des plantes. J'adore les plantes. Donc je pense qu'il n'y en a jamais assez. Puis c'est important d'avoir des plantes dans toute la maison pour moi. Donc ici, il pourrait toujours accrocher des petits dessins. Là, il y en a une ici que j'ai accroché avec, regardez, avec un genre de, vous savez, comme la gomme qui se vend comme ça. Donc ça colle. Donc ici, encore une fois, c'est les étagères. Donc,
Ça, c'est vraiment de la déco. Ici, c'est la garde-robe. Donc, je lui ai mis quelques petits vêtements, la bille de neige. Ça me vient l'hiver. Donc, des petites choses, voilà. Pour l'instant, c'est ça. Sinon, il y en a ces vêtements qui sont là-dedans, ici. Donc, c'est ça, les rideaux. J'adore les rideaux, ok? Ils sont vraiment doux. Ce sont des chez Ikea. Ils sont tellement doux. Puis, j'adore la couleur. Donc, sur la photo, ça a l'air vraiment orangé, mais c'est comme un jaune moutarde brûlé. C'est vraiment beau, en vrai. Comme vous voyez, comme ça match tellement, je trouve, avec le bois, la plante, le noir, comme... Je sais pas. J'aime vraiment, vraiment ça. Donc, ça enveloppe bien les fenêtres. J'adore ça. C'est vraiment beau. J'adore ça. Ici, on en a cette porte qui est, bon, des vêtements qu'il y en a à l'intérieur. Ici, on lui a acheté une panier de basket. Ça faisait longtemps qu'il en voulait. Donc, un panier de basket de luxe. Donc, on joue. Donc là, tu peux jouer. Il y en a le timer si tu lances. Donc, on a mis des petites balles ici de chez Ikea comme ça. Donc, il pourrait toujours jouer. Là, je suis pas... je suis pas vraiment bonne. Ouais, mais c'est le fun. Je pense qu'il va adorer ça. Ça faisait longtemps qu'il en voulait un dans sa chambre. Donc, voilà. Puis là, les balles, comme ça, il peut les prendre puis les remettre comme juste en bas ici pendant qu'il joue. Ici, la porte, en fait, c'est il peut faire avec la craie. Donc, je peux lui écrire des messages. Il peut faire des dessins, ce qu'il veut. Donc, c'est le fun. Ici, c'est le coin plus DIY relax. Donc, il y en a des petites poufs qu'il y en a, qu'on en a... Ça, c'est cosy pour les pieds. C'est douillet, c'est chez Ikea. Cette pouf-là, je l'adore. Il a vraiment l'air jaune. Je sais pas si c'est à cause de la lumière, mais il est pas si jaune en vrai. Il est comme plus beige. Vraiment un beige, je sais pas, neutre. Ça, c'est un pouf qu'on a, ça fait longtemps. Donc, je l'ai mis là. Donc, car Oliver, il reçoit beaucoup d'amis dernièrement à la maison. Donc, ça, c'est comme une place où est-ce qu'il peut recevoir, il peut jouer par terre, il peut être assis ici, il peut même prendre une des deux, puis être assis juste à côté ici pour faire des Lego. Ils adorent ça, faire des Lego avec ses amis. Donc, la couleur, regardez, est vraiment belle. C'est comme une turquoise. Je l'adore, vraiment belle couleur. Ici, on a acheté deux bâtons de hockey parce que Oliver adore le hockey aussi. Il est vraiment sportif, donc on s'est vraiment inspiré basketball, soccer, hockey. Donc on s'est vraiment inspiré de ça. Donc on a accroché son maillot de l'année 2022. Il était dans une équipe, donc il a joué. Donc voilà. Et la médaille qu'il avait reçue, c'est là. Ça, c'est pas un vrai, mais comme déco. Les chapeaux ici, qu'il peut accrocher, et l'autre bâton. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment cool pour des pré-ados, ados, gars. Je pense qu'il va capoter. Il n'a pas encore vu sa chambre. La seule chose qu'il a vu, c'est la couleur du mur, car il nous a aidés pour le faire. Et il a vu qu'on avait acheté ça. C'est sûr, ça fait comme un mois qu'on l'avait acheté déjà. Mais toutes les autres choses, on n'avait aucune chaise, on n'avait pas ça. On n'avait rien vraiment fait ici. Rien du tout. Donc, il y en a un coin relax, il y en a un coin jeu ici. Ça, c'est une place cosy, relax ici pour se changer, comme chercher ses vêtements et tout. Venir ici pour jouer au basket, jouer avec ses amis. Il y en a quand même beaucoup d'espace dans sa chambre. Pareil, mais on marche bien, c'est vraiment spacieux, je veux dire, il a vraiment une grande chambre. Donc c'est plus ado, pré-ado, ado vraiment, parce que Oliver a 9 ans. Donc il vient d'avoir 9 ans il y a un mois, donc ça c'est vraiment, il fallait qu'on change sa chambre qui était plus enfant, petit enfant, slash, pas bébé, mais petit enfant. Donc on a voulu vraiment créer... Vous voyez, ce blanc, c'est comme un blanc gris, donc vraiment plus masculine la chambre, si je peux dire ça, plus pré-ado, mais en même temps avec des couleurs noires, blancs, puis plein de couleurs pop, j'adore ça. J'adore le vert surtout, j'adore le jaune moutarde brûlé, puis
Puis j'adore le turquoise. Ça, c'est les trois couleurs que j'adore vraiment. C'était vraiment l'inspiration pour tout. Puis le bois, bien sûr, j'adore ça. Il aime beaucoup le doré, tout ce qui est doré. Donc on a choisi ceux-là. Ils sont dorés de chez Ikea. Comme ça, donc blanc, noir encore une fois, doré, lui c'est doré aussi, regardez, donc ça match vraiment avec, et puis c'est ça, donc voilà, c'est ça le tour, donc là Oliver, on s'en va le chercher de chez ma mère, donc on va voir sa réaction, en espérant, on croise les doigts qu'il va aimer sa chambre, on croise les doigts parce qu'on a travaillé très fort. Regardez les amis, je vais laisser ça devant la porte, quand Oliver vient, il va lire ça. J'ai trop hâte. Puis... C'est ta chambre, ou bien? Vas-y, Flore. Pour que tu le fasses, c'est moi. Dis-toi, c'est à plein de balles, maintenant. Oh, ça commence. Ça commence, Léa, tu veux jouer? C'est vrai, je suis la dernière. Vas-y voir. Ah, oh, là, c'est mieux, la chaise. La chaise. Et qu'est-ce que tu en dis? Go! Si, il faut que tu marques un début. Ah oui, mais. Le plus aimé. C'est le basket. C'est le basket, je le savais. T'aimes ça, hein? Tu aimes ça, ta nouvelle école? Ouais, tous les sports, c'est ça que t'aimes? Ouais. Ouais, tous les sports, oui. Que tu aimes? Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que c'est pour plus grand? Ouais, c'est vrai. Oui, hein. Léo, tu peux pas prendre tout? Essaye de marquer. Tu peux pas prendre toutes les balles, hein? Ouais, il aime ça, les balles. À un moment donné, ouais. Il va toutes les arracher. Oh! 30 secondes! 20! Oui. Oui. Occupé. C'est un sac, Coco? Oui. J'espère que tu aimes mon bois.